Donc, bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de Kenzaku.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on abordera la comatrice. Donc, c'est une matrice toute comme les autres, mais qui a la particularité de faire peur aux toupins. Et dans cette vidéo, nous essaierons de démystifier le mythe. Et donc, notre cours s'annonce de la façon suivante. Donc, tout d'abord, nous allons définir ce qu'est la comatrice d'une matrice ordonnée. Après, nous allons donner un exemple de calcul d'une comatrice. Par la suite, nous allons calculer un déterminant grâce à la méthode des cofacteurs. Après ceci, nous verrons comment inverser une matrice grâce à la comatrice. Et pour finir, un petit bonus, donc qui ne rentre pas forcément dans le programme, mais nous allons comparer entre la complexité temporelle du pivot de Gauss avec celle du calcul d'inverse grâce à la comatrice. C'est-à-dire le nombre d'opérations nécessaires pour voir quelle est la méthode la plus appropriée pour vous dans des exercices. Donc, Kenzaku, qu'est-ce que ça veut dire? La comatrice B d'une matrice A est notée comme de A, avec, comme terme général, Bij est égal à moins 1 puissance I plus J, delta Ij. Bij est appelé cofacteur d'ordre Ij. Delta Ij, par contre, est appelé mineur d'ordre Ij. Du coup, vous allez me demander ce qu'est delta Ij. Donc, si A est donné par l'expression des Aij y allant de 1 jusqu'à n, alors on définit delta Ij, le mineur d'ordre Ij, comme étant le déterminant de la matrice A, privé de sa ligne numéro I et de sa colonne numéro J. Ok? Ça, c'est delta Ij. Donc, vous allez calculer un déterminant comme vous avez appris à le calculer lors de votre cours. Ok? Donc, sinon, pour interpréter donc, le cofacteur d'ordre Ij, nous allons vous donner une petite astuce. Donc, si on note Ax la fonction suivante, donc qui prend le déterminant de A, et pour le terme d'ordre Ij, on va lui ajouter un petit x. Alors, Ax, en développant par rapport à la jm colonne, nous avons trouvé que ax égale à déterminant de a plus ce déterminant-là. Bien sûr, c'est ça, c'est grâce à la bilinéarité de l'application déterminant. Ainsi, a de x est égal à une fonction affine en fonction de x. D'accord? On déduit, donc ce terme-là, bien sûr, c'est le cofacteur d'ordre ij, delta ij, i plus j puissance i. Moins 1 puissance i plus j, pardon. On déduit que Bij, donc le cofacteur d'ordre Ij, représente la variation par rapport au terme d'ordre Ij pour la fonction Ax qu'on a vu. Donc Ax, on peut la considérer comme étant la fonction déterminant pour le Ijm composant. Maintenant, nous allons voir un petit exemple pour calculer donc les cofacteurs. Donc en prenant la matrice qui est devant vous, d'accord, on veut calculer les Bij, c'est-à-dire la comatrice de A. Donc B1,1, à quoi est-ce que c'est égal? Donc comme on a dit, on prend le premier terme, donc moins 1, à la puissance 1 plus 1, I plus J, fois delta Ij. Donc on va éliminer la première ligne et la première colonne. Donc nous allons obtenir dans ce cas, moins 1 puissance 1 plus 1, fois 1, 1, 3, moins 1, donc qui est égal naturellement à moins 4. Pour B1,2, donc B1, on prendra la première ligne et la deuxième colonne. Donc en éliminant la deuxième colonne et la première ligne, on prend moins 1 puissance 1 plus 2, donc moins 1 puissance 1 plus 2, fois déterminant en éliminant la deuxième colonne et la première ligne. Du coup, on aura 2, 1, 3, moins 1. 2, 1, 3, moins 1. Je vais vous donner un autre exemple, par exemple, pour calculer le B32. Donc on prendra la troisième ligne et la deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne, on est bien ici. Troisième ligne, deuxième colonne. On préservera alors 1, 2, 0, 1. Donc moins 1 puissance 3 plus 2. 1, 2, 0, 1 qui est égal à moins 1. Pour le calcul des autres termes, vous l'avez bien sûr, vous avez reconnu la méthode de calcul, donc je ne vais pas l'expliquer, je vais procéder directement par alimenter donc, les valeurs. Donc après avoir vu donc, le calcul d'une comatrice, nous allons voir le calcul d'un déterminant grâce à la comatrice. Donc vous avez sûrement, sûrement vu lors de la vidéo sur le déterminant, le calcul d'un déterminant se fait donc, soit par rapport à une colonne, soit par rapport à une ligne. Et comme vous l'avez vu lors de la leçon sur le déterminant, donc le mineur et le cofacteur, puisqu'on prend en compte maintenant des moins 1 puissance et plus j, interviennent. Et donc, si l'on prend
Donc si l'on prend donc ce terme-là, il me représente tout simplement donc le BKJ. D'accord ? BKJ avec BIJ, c'est le terme général de ma comatrice. On est bien d'accord. OK ? Exemple de calcul d'un déterminant grâce à la comatrice. Donc on a trouvé tout à l'heure les B11, B12 et B13. Il nous suffit alors de développer par rapport à la première ligne. D'accord ? La première ligne, on a les cofacteurs des autres colonnes. Et donc, 1 fois B11 plus 2 fois B12 plus 0 fois B13. 1 fois B11 plus 2 fois B12 plus 0 fois B13. Ce qui me donne un 6 tout pointé. Donc, parmi les notions les plus importantes de ce cours, donc la notion d'inversion d'une matrice grâce à la comatrice. Et pour ce faire, donc je vous propose l'expression suivante. Donc, nous allons tenter de démontrer que A fois transposé de B, avec B est égal à comme de A bien sûr, comatrice de A, est égal à transposé de B fois A, est égal à déterminant de A fois E1, pardon. Démonstration. Donc tout d'abord, nous allons noter CIJ, le terme général, le terme générique si on veut, de la matrice A fois transposée de B. Alors, en appliquant la formule, donc CIJ est égal à la somme des AIK, BKJ, donc pour le produit de deux matrices, on obtient que CKJ est égal à la somme des AIK, BJK, puisque là, on tient compte de la transposée de la matrice B. On est bien d'accord. Et donc, en remplaçant le BJK par sa valeur, qui est celle du cofacteur d'ordre JK, on obtient la formule suivante. Donc, la formule suivante, je vais essayer de distinguer deux cas. Donc, si J égale à 1, je retrouve immédiatement donc, la formule du déterminant par rapport à la ligne numéro I. On est bien d'accord. Sinon, nous allons tenter de trouver la bonne formule. Donc, si J est égal à I, alors, en développant par rapport à la IM ligne, on retrouve la formule du déterminant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Sinon, si j est différent de i, donc la formule dont on disposera alors sera la formule suivante. Donc cij est égal à moins 1 puissance k plus j, delta jk, aik. Donc, pour retrouver donc, une formule qui est intelligible, nous allons tenter d'écrire ce aik là, sous la forme d'un, par exemple, a'jk. A'jk, avec a', c'est une matrice qui garde, donc qui a pour jm ligne, la im ligne de la matrice A. Et pour les autres lignes, ce sont exactement les lignes de la matrice A. Est-ce que vous avez bien compris l'astuce? On remplace les aik par a'jk pour retrouver une formule sur le déterminant. D'accord? Parce que en gardant delta jk aik, on ne reconnaît pas de formule. Par contre, en remplaçant aik par une matrice, en remplaçant aik par a'jk par exemple, donc on retrouve un développement par rapport à la JM ligne, et dans ce cas, on peut dire que CIJ est égal à déterminant de A'. D'accord ? Reste à trouver le A' approprié. Donc ce A' là, il aura pour JM ligne les AIK, parce qu'on a dit que les A'JK sont égaux à AIK. Et pour conserver les delta JK, c'est-à-dire les cofacteurs, alors en ayant changé une seule ligne, on ne touche pas aux cofacteurs delta jk, comme nous allons le voir. Donc si on remplace aik par i'jk, on conserve les delta jk. Je vous laisse le prouver dans votre brouillon. Et donc on considère la matrice a' qui est égale partout à la matrice A, sauf pour la jm ligne, donc qui est égale à la im ligne de la matrice A. C'est-à-dire qu'on a une matrice a' qui dispose d'une ligne l'i, mais également qui dispose d'une ligne l' qui est égale à li, mais également d'une ligne G', L'G qui est égal à LI, c'est-à-dire une matrice qui a deux lignes identiques, et donc ce déterminant de A', il doit être égal à 0. D'accord? Donc CIJ est égal à delta égal, etc., qui est égal à déterminant de A'. A' dispose de deux lignes identiques, et donc déterminant de A' égal à 0. Au final, AT comme de A est égal à déterminant de A fois IN. Donc de la même manière, on retrouve que T comme de A fois A est égal à déterminant de A fois IN. Donc finalement, nous allons tenter d'inverser une matrice grâce à la méthode des déterminants, c'est-à-dire la méthode de l'inversement par comatrice. Donc tout à l'heure, on a vu la matrice A, qu'on a calculée, donc, dont on a calculé le déterminant qu'on a trouvé égal à 6, mais également la comatrice qu'on a calculée tout à l'heure. On a trouvé que le déterminant est égal à 6, que la comatrice est la comatrice suivante, et donc il nous reste à écrire que A-1 est égal à 1 sur le déterminant de A, T comme de A. Donc on va transposer la comatrice pour obtenir
la matrice devant vos yeux, et donc divisez tous ces termes par 6. Je vous laisse vérifier que voilà, A moins 1 fois A est égal à l'identité. Donc en dernier lieu, nous allons vous donner un petit bonus, c'est-à-dire une idée sur le temps nécessaire pour le calcul d'une comatrice grâce à un ordinateur, et donc même grâce à vos petits cerveaux, mes amis. Donc un comparatif entre la méthode de Gauss, mais également la méthode des comatrices. Donc pour une matrice M d'ordre N, d'accord ? Pour calculer la comatrice, combien d'étapes me faut-il ? Donc on sait très bien que pour calculer la comatrice, il nous faut avoir les cofacteurs. D'accord ? Il nous faut N carré cofacteurs, parce qu'une matrice, elle dispose de N carré termes. Donc les A, I, J, I appartenant de 1 jusqu'à N, et J allant de 1 jusqu'à N, c'est-à-dire N au carré termes. On est bien d'accord. Et donc, chaque cofacteur étant un déterminant d'ordre n-1, un déterminant d'ordre n de façon générale, nécessite n factoriel opération. Pourquoi ceci ? Donc, un déterminant, donc on va le développer par exemple. Si je prends un déterminant d'ordre n, d'accord ? On va le développer par rapport à sa dernière ligne, par exemple. On va trouver, grâce à la méthode des cofacteurs, des déterminants. Donc, somme des a, on a dit dernière colonne. Donc, a, i, n. Delta IN moins 1 à la puissance I plus N. On est bien d'accord. Et donc, ces déterminants-là, ils sont d'ordre N moins 1. Et les AIN, j'en ai N facteurs qui sont multipliés par déterminants d'ordre N moins 1. Et donc, N moins 1, c'est un déterminant d'ordre N moins 1 qui nécessite aussi N moins 1 facteur multiplié fois un déterminant d'ordre N moins 2 et ainsi de suite. Donc, on va se douter naturellement que le nombre d'opérations pour le calcul d'un déterminant, il est égal à n factoriel. Et du coup, le calcul d'un déterminant d'ordre n requiert n opérations, requiert n factoriel opération. Ce qui s'ensuit, donc le calcul d'une matrice requiert n au carré opération fois n moins 1 factoriel opération. Le calcul de a moins 1 alors, qui est égal à 1 sur déterminant de a fois t comme de a, requiert n factoriel opération pour déterminant de a, n au carré opération. Donc d'inversion tout simplement pour transposer de la comatrice de A, les opérations du genre AIJ, BJ, BIJ est égal à AIJ. Donc c'est simple en fait. Et donc plus les n au carré n moins 1 factoriel, l'opération de calcul de la comatrice. Et lorsque n tend vers plus l'infini, ces termes-là, ils sont négligeables devant n au carré fois n moins 1 factoriel. Et du coup, donc mon nombre d'opérations, il avoisine n au carré fois n moins 1 opération lorsque n tend vers plus l'infini. En moyenne, donc en contrepartie, la méthode d'inversion grâce au pivot de Gauss nécessite uniquement 4 tiers n au cube opération. Lorsque n tend vers plus infini, donc on trouve que voilà, le nombre d'opérations du pivot de Gauss est largement inférieur au nombre d'opérations nécessitées par la comatrice. Donc nous vous avons dressé le tableau suivant. Donc pour un ordinateur calculant, donc faisant 1 million d'opérations par seconde, donc pour inverser une matrice grâce à la méthode de la comatrice, donc c'est cette première ligne, et pour inverser grâce au pivot de Gauss, c'est la deuxième ligne. Je vous laisse contempler le tableau et avoir une idée. Et du coup, la conclusion qui en ressort, c'est que vous devez apprendre à inverser une matrice grâce à la méthode du pivot de Gauss, qui est beaucoup beaucoup plus efficace. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder le rang de la comatrice, mais également certaines autres propriétés intéressantes. À la prochaine.